jambes en quoi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite tier list, ça fait longtemps. Je n'ai pas trop fait sur la chaîne, je vais en faire plus là. Parce que je vais pas te mentir, j'aime bien ça, faire des classements, faire des tiers. Qui est le plus fort, qui est le plus faible. Quel est le meilleur animé, quel est le meilleur perso. Bon là, on se fait un petit classement de puissance de One Piece. Anime only, bien sûr. Parce que je regarde pas les mangas, moi. Et allez, écoutez en direct. Bon. Ces persos là, on va essayer de les caler entre fort, très fort, excellent, surpuissant et légende. Bon, moi je vais pas parler du perso, je vais parler de la puissance, même si je l'aime bien ou que je l'aime pas, je parle juste de la puissance. On va essayer d'être objectif. Allez, c'est parti. Bon, le premier pour Autocast dit S, mon gars. Ace, je vous dis la vérité, hein, s'il serait pas mort, il aurait pu être un des plus puissants dans l'anime. Il avait un potentiel de ouf, justement pas. Il serait pas mort, gros. Il aurait pu être quelqu'un de surpuissant, mais on va le mettre dans excellent pour l'instant. Et j'ai pas envie de faire des dingueries, tu vois, parce que ouais, c'est mon meilleur anime, gros. J'ai pas envie de faire de dinguerie, Akainu. Et là on parle. Parce que le Akainu maintenant, gros, on l'a même pas vu stable depuis Marineford. Donc moi là je sais pas dans le manga, mais moi en tout cas je vais parler du Akainu de Marineford. Et gros, il était surpuissant, faut pas se mentir. Ah, je l'ai détesté pour ce qu'il a fait à Marineford, gros, mais gros, faut rester objectif, il était surpuissant. Aokiji, on le met bien sûr derrière. Akainu, il a perdu en 1-1 contre Akainu. C'est un amiral, on le met dans surpuissant. Pour moi, il est plus fort qu'Ace, ça n'a rien à dire. Ashura Doji, un perso qui m'a déçu, hein. Réellement, je vous le dis déjà, il m'a déçu de ouf. La première introduction qu'on a eue d'Ashura, gros, il nous disait, ouais, le plus puissant samouraï de Wano, etc. Gros, il se fait tuer par une explosion. Du grand n'importe quoi. Je vais le mettre dans fort. Moi, j'ai vraiment été déçu de sa puissance. Il se battait contre Oldem que Luffy l'a one shot, gros. J'ai été déçu de ouf de ce perso. Il aurait pu être un bête de perso si l'anime. Je sais pas si dans le manga c'était comme ça, mais en tout cas l'anime l'a pas respecté. Bref, next. Capone Kange Bitch. On le met derrière. Un membre des Supernova, on le met derrière Ashura. Il est basique, je te mens pas. Capone, il est basique. Next. Oh, Ben Beckman. Alors là mon pote, c'est le bras droit d'un empereur. Et pas n'importe quel empereur, c'est le bras droit de Shanks. On a vu dans l'épisode HS avec pour le film Red, on a vu que quand il parlait à Luffy quand il était petit, il avait l'Haki des Rois. C'est le bras droit de Shanks, il a l'Haki des Rois. Il a fait chier dans son froc Kizaru, rappelez-vous à Marineford quand il l'a. Il a déjà arrêté toi Kizaru, il a levé les mains alors que c'était un Logia. Je le mets dans légende, Beckman. Je pense que Beckman il sera du même niveau que. Enfin il est du même niveau que Zoro dans le futur quand Luffy sera Yonko. Donc Beckman légende, c'est sûr et certain. Beckman. Empereur. Logique, on le met. En vrai, attendez. On va les mettre dans surpuissant, parce que j'avoue légende. Non, légende c'est le top, c'est le GOAT. Donc hein, on va les mettre dans surpuissant, faut exagérer. Beckman, est-ce que au-dessus. Non, j'avoue, c'est un bras droit. C'est comme si tu dis King plus fort que Beckman. Sûr, ça reste une empereur. C'est un empereur quand même. Allez, on va le mettre première dans surpuissant. J'avoue, Beckman vers Akainu. Ah, j'avoue, c'est chaud. Mais Beckman à Akainu, c'est chaud, hein, je te rends pas. Amiro vs bras droit. Marco, on a vu comme il se battait très très bien contre Akainu et Akiji, même si il faisait pas le poids contre Akainu. On le voyait, c'est normal, c'est plus puissant Amiro de One Piece qu'on a vu pour l'instant. Donc, Beckman, je le mets devant. Je sais pas pourquoi il dégage un aura, gros, c'est le bras droit de Shanks quand même, frère. Il dégage un aura, on va le mettre devant Akainu. Oh, next Teach, Barbe Noire. Si on parle de Barbe Noire maintenant, gros, j'aime pas besoin. On l'a même pas vu stable pour l'instant, mais bon, je le mets devant Beckman, c'est sûr et certain. Next, Kizaru. Kizaru, je vais te mentir, pré-time skip, avant les 2 ans,
Pour moi, je pense qu'il est puissant, c'est sûr, certain. Mais je sais pas s'il est plus puissant qu'Aokiji et Akainu. Ils étaient de force à égale, les deux là. Et en gros, ils sont battus pendant 10 jours. Kizaru, je sais pas s'il aurait fait le poids. Juste pour moi, là, de ce qu'on a vu dans l'anime, juste dans l'anime, les deux, ils sont plus forts que Kizaru. Donc, on va le mettre en dernier derrière. Enfin, Là, vous savez que c'est mon meilleur perso déjà de 1, mais là on va rester objectif, mais on le met dans les gens de bon. L'homme le plus fort du monde, même à l'époque de Roger, sa place elle est méritée, il n'y a rien à dire. Next, Crocodile. Crocodile, un de mes meilleurs persos. On le met dans excellent. Non. Je vais le mettre dans très fort. Je pense pas pour moi qu'il a le niveau d'Ace. Je vais pas parler, ouais, parce qu'on l'a pas vu, on l'a presque pas vu Crocodile dans, après les 2 ans. Enfin, on l'a vu, mais on l'a pas vu, stab 0-0, faux. Donc, je sais pas s'il a le level up. On va le laisser dans très fort, je pense pas, il avait niveau D, ça m'a une fois pour moi, donc. Don Quixote do Flamingo. On va le mettre dans excellent, c'est un Shichibukai, pour moi devant Ace large. Il mérite sa place large, il s'est battu contre Gear Force Luffy gros pendant un moment gros. Donc voilà, il mérite sa place. Monkey G Dragon. Encore un autre perso gros, si tu lis pas le manga tu peux pas savoir. Mais c'est, je le mets quand même dans les jambes. En vrai, attendez, hey, c'est dur, man. J'avoue là j'ai dit des dingueries. Parce que là, Dragon Fu 5 Barbe Noire avec ses deux fruits. Dragon Fu 5 Big Mom. J'ai pas le mettre dans légende. Pour moi, c'est une légende de One Piece, mais on l'a pas encore vu en fait. Faut le voir stop pour montrer. Tu vois. Les légendes, vraiment, c'est le summum de la puissance et. Allez. Est-ce que devant Teach? Devant Teach ou pas? Les gens, ouais, c'est quoi? Là, pour moi, Dragon, il doit être à son prime. C'est le criminel le plus recherché dans One Piece. De l'histoire même, donc allez, on le met, pour moi il a le niveau empereur, c'est sûr et certain. Plus fort que Barbe Noire. Ouais, pour l'instant, on va mettre ça. Oh, Drake, Drake. Allez, on va le mettre dans fort, devant Ashura Doji. Même si Ashura, je très bien qu'il a le Ryu et tout ça, mais gros, il s'est pas fait respecter dans l'anime, je vous dis, c'est Enir. Eneru, c'est pas le meilleur antagoniste que j'ai kiffé, je te mens pas. Même si l'arc Skype, il était pas aussi dégueulasse que certaines personnes avaient pensé. Mais ce que j'ai kiffé, moi, c'est son fruit du démon. Son fruit du démon, gros, si j'ai un fruit du démon dans One Piece, gros, c'est celui-là. Il est trop boosté. Il peut se téléporter, il a acheté tonnerre, gros. Il est rapide de ouf. Il est cheaté, il est boosté, son fruit du démon. Eneru, pas te mentir, il est devant Ace, hein, pour moi. Parce que gros, en fait, il s'est juste fait vaincre parce que Luffy il avait la résistance du caoutchouc, frère. Mais sans ça, gros, Eneru il a eu le fumé. Pour moi, il est plus puissant que Ace. Donc, Flamingo, non, je pense pas. Next, Fujitora. Très bon perso, Fujitora. Fujitora, je pense pas. Encore le niveau Amuro, mais toujours dans surpuissant. Pour moi, c'est Shichibukai, c'est le grand corsaire. On enlève Yonk, c'est le level Yonko pour moi. De ce qu'on a vu, c'est le level Yonko, vu qu'il s'est battu contre Shanks. Amiro et Yonko, pour l'instant, c'est les trois grandes puissances. Mais pour moi, là, c'est comme ça que le classement il est dans le piste, de ce que j'ai vu en tout cas. Full animé, donc. Et next. Ouh! Ah là, c'est du sale, là. Corp! Damn, les gens d'emballe. Là, je vous dis, ça va être chaud. Ah, pour moi, là, je prends les primes. Là, je prends les primes de tout le monde. Gar Prime, gros, c'était du grand n'importe quoi. Juste avec l'histoire, là, l'histoire qu'on a vue dans l'anime, gros, il s'est battu contre Rox. Un adversaire aussi puissant que Roger, peut-être même plus puissant. Et peut-être qu'ils l'ont sauté à deux avec Roger et Rox. Mais Barbe Blanche, gros, ça reste l'homme le plus fort du monde. Avec le fruit du démon le plus puissant du monde, frère. Qui peut détruire le monde.
Je vais le mettre derrière Barbe Blanche parce que je me rappelle à Marifold, même lui disait que Barbe Blanche était plus fort, donc hein, on va le laisser. MC Prime Car, bro. S'ils se battent tous les deux à leur Prime, bro, ça va faire des dégâts, bro. Et je pense qu'ils sont à égalité presque, mais Barbe Blanche, on le met devant. Allez, next. Bon, Hankook. Encore une grande corsaire. Devant Enelu, je pense pas. Devant Ace, oui. Elle a acquis des rois, donc hein, on va le mettre devant Ace. Là, maintenant, Ace Hawkins, oh, qu'est-ce qu'il m'a. Oh là, hey, dégagez-le-moi, dégagez-le-moi. Il est pour moi plus puissant que Gangbed, je pense. Est-ce que j'aime pas ce perso, c'est un truc de ouf. Devant Ashura, non. Devant Ashura Doji, non. Allez, next. Comment il s'appelle déjà? Le chat, je sais que c'est né comme. Ah, Inuarashi, ça, voilà. Inuarashi. En mode, selon, on a vu ce qu'ils sont. De quoi ils sont capables, gros, ils étaient vraiment puissants, je te mens pas. En solo, gros, ils se battaient bien comme Kaido, je te mens pas. Pour moi, gros, il est devant Doflamingo. Il y en a peut-être, ça va choquer, mais en sous, moi je te parle de Prime. En solo, gros, lui et Nekomamushi, gros, ils étaient surpuissants, gros. Ils avaient détruit Jack. Jack, c'est un gars, il avait les milliards. Et Doflamingo, il avait quoi? Il avait 500 millions, même si c'était un set camp grosseur. Le met devant Doflamingo. Next, Jack, logique. On met derrière Inuarashi. Ouais, il a perdu en animé, j'allais dire. Pour moi, il a. Pour moi, on avait un Igan, mais il a perdu en animé en 1-1 avec le Sunum. Jack, plus puissant que Joker, Doflamingo, c'est normal. On a vu ça dans l'animé. Next. Jinbei. Un set grand corsaire Jinbei, pour moi. On a vu le level up en vrai dans Wano, quand il s'est battu contre Wozu. Je sais pas si c'était son niveau de base où il avait level up. Mais Jinbei. Est-ce que Jinbei aurait pu vaincre Jack? Je sais pas, Jinbei c'est dur, hein, je te mens pas. Je vais le mettre premier, devant même Inuarashi, mais c'est compliqué Jinbei, parce qu'on l'a pas vu. Je vais pas te mentir, on l'a vu se taper vite fait contre Akainu, gros, et rester pendant un moment. On va le mettre premier, non, excellent. Taiyamanto Juice. Plus puissant que Ace pour moi, il avait le Haki. Plus puissant que Boa Hancock. Bro, il a fait saigner Rokiji. Il a arrêté l'attaque de Mihawk surtout. Plus puissant que Ener pour moi, il a le Haki. Après, même si Ener aussi il a le mantra, c'est le même bail de Haki. C'est pas plus puissant que Doflamingo. On l'a vu que Doflamingo il avait réussi à contrôler Joe sur Marineford, donc hein. Kaido. C'est dur ça. La créature la plus forte de One Piece. Kaido c'est dur, hein. C'est dur à le placer parce que je vais pas le mettre dans légende. On le met dans surpuissant devant Teach. Mais derrière Dragon. Je crois que Dragon il dégage un aura, je vous dis, il dégage un aura gros. Il dégage un truc frère. Je sens qu'il est surpuissant. Pour moi c'est un Shanks. C'est un Shanks pour moi Dragon. C'est un Shanks. Allez next. Katakuri. Je sais pas quoi dire sur Katakuri. Enfin, je sais pas comment le placer plutôt. Après, ouais, non, ouais. J'allais dire c'est un bras droit de Yonko. Est-ce que je le mets dans surpuissant? Mais je vais le mettre dans excellent. Parce qu'il y a des bras droits, ils sont plus puissants que des Amuro pour moi en tout cas, comme Ben Beckman, qui dote Zoro bien sûr dans le futur. Même si là pour moi il est au niveau d'Amiro après ce qu'il a fait contre King là. Combat exceptionnel, le combat qu'il a fait contre Kim pour moi là il a le level d'un Amiro. Zoro. Donc Katakuri qui voit le futur. Katakuri qui s'est battu contre Snape Man. Luffy. Ah non, eh, bon, on va le mettre en dernier contre surpuissant. On va le mettre en dernier surpuissant. J'avoue c'est dur hein. Est-ce que devant Fujito là un Amiro? C'est des amiraux quand même. Parce qu'il y a des bras droits gros, comme Marco. Pour moi, ils ont le level d'aller affronter des amiraux, mais ils ont pas le level de les vaincre. Je pense qu'Atakuri c'est ça. Allez, next. Kitto. Justas Kitto. Qui, pour l'instant, hein, dans l'anime, hein, il se bat contre Big Mom et Law. Kid, on va le mettre dans surpuissant derrière Katakuri. Non, je dis des dingueries là. Je dis des dingueries. Pour moi, il n'y a pas le niveau de Katakuri, je suis fou. On va le mettre derrière Jinbei parce que pour moi, Jinbei il est au-dessus de Kid, de ce que j'ai vu en tout cas.
Next, c'est Killer. Bras droit de Kid. Killer, justement, pas qu'il est surpuissant. Il est vraiment puissant, gros. On l'a vu dans le combat contre Kaido et contre Zoro. Mais j'avoue, Killer, devant Doflamingo. Aïe, 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 c'est dur. Et je vais le mettre. Même devant Crocodile, c'est dur. Non, hey, je vais le mettre derrière Crocodile. Next est King. Ah, oh. Oh. On vient de voir l'épisode que 1062. On bat King Kaido. King Zoro, qu'est-ce que je raconte? Ah, c'est dur, frère. Ah, les amiraux, en fait, les amiraux, ils sont trop. C'est trop dur à les classer, les amiraux. Je sais pas pourquoi. Je vais mettre derrière. Parce que je pense pas que c'est tous les bras droits comme empereur, comme. Bon, Beckman, oui. Il a le niveau d'amiraux, même plus. King, catégorie? Je pense pas. Et King, pour moi, il est au-dessus de catégorie, de ce que j'ai vu, en tout cas. King est mon. Ça, c'est facile, justement, pas. On va le mettre. Il s'est bien battu contre Kaido, justement pas. On va le mettre derrière X-Drake. Et devant, bien sûr, Ashura Doji. Next. Kuma. On va le mettre derrière Crocodile. Kyoshiro, il est très très fort, hein, justement pas. Kyoshiro, on va mettre devant X-Drake. Kyoshiro, pour moi, s'il y avait un gars qui avait le titre du plus puissant samouraï à Wano, c'était Kyoshiro et pas Ashura Doji. Kyoshiro, ça va, ils l'ont bien respecté dans l'anime. Très 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 bonne histoire. Le next. Oh lolo, lolo. L'eau au-dessus de Kid, pour moi, y'a rien à dire. L'eau au-dessus de Jimbe, pour moi, y'a rien à dire. L'eau au-dessus de Katakuri. Ah, j'aime bien les tiers comme ça, là. J'aime bien. Là, ça peut chiffonner la tête, là. Parce que j'avoue, les échelles de puissance dans One Piece, en gros, y'a rien de mieux. C'est l'anime où tu kiffes te dire qui est plus puissant, qui est au-dessus de qui. Mais l'eau, là. Ah! Est-ce que l'eau au-dessus de Katakuri, gros? Je t'en parle, non, le lot de maintenant, ouais. L'eau au-dessus de Katakuri. L'eau au-dessus de King, je pense pas. Parce que pour moi, Zoro, il est plus fort que l'eau. Pour moi, en tout cas. De ce que j'ai vu dans l'anime, je pense pas qu'il se fait King, l'eau. Il se fait pas King. Là, ils sont en train de sauter Big Mom avec Kid là, donc non, on va pas le mettre. Oh, ok, Lucci. Lucci, pour moi, il a bien level up depuis sa raclée à Enies Lobby. Je te demande pas, pour moi là, s'il a level up bien comme il faut. Je le mets derrière Katakuri. Il reste surpuissant, surtout s'il a power up là. Je le mets derrière parce qu'on n'a pas vu le combat depuis Enies Lobby. C'est sûr qu'il a power up parce que c'est devenu le chef du CP0 comme on l'a vu. Next. Oh lolo. Luffy. Mais là, c'est de la triche là. On a dit qu'on parle de Prime et que anime only. Donc, Luffy. Si on parle de maintenant. Je le mets. Ouah, c'est dur. Devant Beckman, hein, j'avoue, c'est dur. Hein. Après, Luffy qui se bat contre Kaido. Là. Allez, Luffy, on le met derrière Barbe Noire. Plus puissant de Big Mom en 1v1 pour moi, ouais. Beckman, tu te mens pas à la vidéo. Beckman, en fait, il est tellement mystérieux. Il est tellement mystérieux, autant mystérieux que Shanks. Je vais pas te mentir, il a la puissance d'un Yonko pour moi. Et j'ai envie de le mettre devant Big Mom, je te mens pas. Et allez, je vais changer Beckman, gros. Ce gars là, il a trop de flow, frère. Et je sens qu'il est plus puissant. Il a la puissance d'un empereur. Comme Rayleigh. Alors que c'est un bras droit d'un empereur. Roger. Bon, Roger, on sait pas si c'est un empereur, mais vas-y, bref. Next. C'est Magellan, ça? Et les images, ils sont petites à la mort, gros. Magellan.
Magellan, gros. Il a one shot, frère. Bon, attaque surprise, je te mens pas, mais il a one shot Barbe Noire, Impel Down. Magellan, il est un vrai fruit du démon. Il a peut-être level up depuis. Magellan, c'est un gars, il est très très fort. Je te mens pas. En fait, ça dépend. Hey, si dans l'anime là, il a pour eux, bro, je le mets dans premier excellent Magellan. Parce que je te mens pas, Magellan est très très puissant. Son fruit du démon il est boosté. S'il a power up gros, il est devant Jinbe, je pense. Parce que rappelez-vous, Jinbe, il voulait pas se battre contre Magellan, gros. Donc ça veut tout dire. Next. Marco. Fuck Marco. Bon, Marco. Marco, c'est dur aussi, hein, je te mens pas. Marco devant Katakuri. L'eau, je pense qu'il va devenir, à la fin de cet arc, il va devenir plus puissant que. Après, je parle d'anime only encore, mais. Allez, devant l'eau. Mais pas puissant que plus. Oh, il a fait un 2v1, je me rappelle, avec Conking Queen. Mais je pense pas que c'était un King aussi sérieux que quand il a combattu Zoro, tu vois. C'est chaud, c'est chaud. Allez. Il a fait un bête de combat contre Kizaru, Marco. On le met devant King. Ouais. On va pas exagérer aussi. Mihawk. Un des persos les plus compliqués, frère, pour classer. En termes de puissance. Il s'est battu contre Shanks. Il a le niveau d'un empereur pour moi. Tranquille, facile. Plus puissant, épéiste de One Piece. Plus puissant que Barbe Noire. Allez. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Allez, on va le mettre devant Luffy, bien sûr. Luffy, pour moi, il a pas le poids contre Mihawk de maintenant. Kaido, je sens qu'il est pas encore ça dans l'anime, c'est pour ça que je le mets aussi haut. Et Luffy aussi, bah, c'est pour ça. Luffy, à la fin de cet arc, bien sûr, quand il va vendre Kaido, il va monter dans le classement. Pour l'instant, non. Mihawk, pour l'instant, je pense qu'il ne plante pas ici. Moins puissant que Barbe Noire, je pense. Mais plus puissant que Luffy de maintenant. Beckman est gros. Non, 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 je suis un fou. Devant Luffy, gros. En fait, je sens que Beckman, il est surpuissant. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est surpuissant, gros. De ce qu'on a vu, en tout cas. Et on en a rien vu, presque. Ouais, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça. Oh, Moria. Oh, merde. Oh merde alors. Oh merde alors. Moria, Moria, Moria. Moria. Ouais, le puissant Cooking et Bitch. Plus puissant qu'Ashura, je pense pas. Vraiment, Moria il est vraiment éclaté au sol. Hein. C'est incroyable. Hein. Nekomamushi devant Inuarashi pour moi. Celui-là il est facile. Il est où Inuarashi? Ok, il est là. Ok. Oh, damn! Oh, damn! Ça va. Encore une fois, Oden, s'il sera encore en vie, il aura eu sa place dans la légende. Parce que je pense qu'il sera encore beaucoup plus puissant que quand il a affronté Kaido. S'il sera encore en vie. Dommage, il est mort, mon gars, sur Oden. Mais ça change pas que. On va le mettre juste derrière. On le met derrière Mihawk. Entre Mihawk et Ben Beckman. Ouais, next. Queen, 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 Queen. Où est-ce qu'on peut le mettre? Queen. On peut le mettre dans excellent, justement pas. Queen, on peut le mettre. Pour moi, Jinbe, il aurait pu prendre Queen. Jinbe, pour moi, Jinbe, il est plus puissant que Sanji. Je pense. Hein. Je pense. De ce qu'on a vu, en tout cas. C'est juste qu'il voulait pas mettre. Sanji, il était là depuis longtemps, il a rejoint l'équipage depuis longtemps, il voulait pas mettre Jinbe devant Sanji, lui donner un adversaire plus puissant. Donc, Queen pour moi. Est-ce qu'on met derrière Kid? Est-ce que Kid plus puissant que Sanji? Allez, ouais, on le met derrière King. Next Rayleigh. Ah là, non, non, là, si on parle de Prime. Si on parle de Prime, gros, aïe aïe. Non, 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 si on parle de Prime.
Rayleigh devant Kaido, gros, si on parle de Prime. Monkey Dragon, tu vois les persos comme Dragon, Ben Beckman, en fait, ça c'est les gens mystérieux, Shanks. Je pense que je l'ai bien placé là, Rayleigh. Je pense que je l'ai bien placé, gros. Si, là, on parle de Prime, hein, je vous le dis, on parle de Prime. Oh, dur, les gars, vous connaissez, frère. Roi des pirates. Il s'est battu contre Barbe Blanche pour moi. Ils étaient presque à égal, mais Roger pour moi il était un petit peu plus puissant. Donc les gens de première place là, il n'y a rien à dire Roger. Next, c'est qui ça? Oh les gens, je vois pas c'est qui frère. Qui c'est ça? Oh, je suis un ouf, ça bouge. Je suis un ouf. Mais en plus, ça se voyait, je suis un malade, moi, avec le chapeau, frère. Tu vois, c'est redaf que c'est Sabo, mon gars Sabo. Bien sûr, il n'est pas mort, hein, on connaît. Sabo. Sabo aussi, c'est très très dur à placer. Sabo, c'est très très dur à placer. Mais je te mens pas que je le mets. C'est qui ça? Mais gros, je vois. Eh, hey, c'est pas possible. Oh, je suis en fou, frère, c'est Marco. Sabo, The One King. Il a la puissance d'un. Il peut aller tête à tête contre un Amiro comme Marco en fait, mais le vaincre, je pense pas. Je pense que c'est un bon placement. Ici, c'est un bon, très bon placement. Sabo. Next, Sanji. Sanji, bien sûr, il est devant Queen. Sanji devant Kid. Je pense pas. Surtout que King. Enfin, surtout Kid et Law, ils ont eu le. L'awakening. Comment on appelle ça en français là? C'était quoi la traduction en français? L'éveil. Il a eu l'éveil, frère. Donc, hein. Oh, Gaban, hey, Gaban, c'est dur de fou. Il s'est battu contre Oden, je me rappelle très bien. Il s'est battu contre Oden. Je le mets derrière quand même Oden et Ben Beckman devant. Devant Luffy, j'avoue. Aïe, devant Luffy, non, je pense pas. Même devant Luffy, Big Mom Akainu. Ah non, c'est dur. Je le mets derrière Akainu. Akainu pour moi, c'est le plus puissant Amiro. Et je pense qu'il avait la puissance d'un Amiro s'il se battait contre Odin. On va le mettre derrière Kainu. Allez, next Sengoku. Sengoku aussi. À ce qui paraît dans son prime, gros, il se battait contre Roger et Barbe Blanche dans son prime. Donc, hein. Pour moi, il était pas plus puissant que. Rayleigh, non. Et gros, on va le mettre devant Kaido. Peut-être là je dis une dinguerie, mais à ce qui paraît à son prime, gros, Sengoku, il était vraiment trafiqué. On avait combattu avec Garp et Shiki contre Shiki, mais. On va le mettre devant Kaido, pas devant Rayleigh, bien sûr. Rouvou Shanks! Akagami no Shanks. J'ai envie de dire légende, mais. Ouais, légende vraiment c'est le sommet de la puissance de One Piece. Ça c'est vraiment un truc de fou malade ça. Et ça là, ça je pense c'est le classement entre Dragon et Shanks qui est le plus fort. C'est trop dur ça, c'est trop dur. Juste parce qu'avec son statut je vais mettre Shanks devant Dragon mais gros. Je vais pas te mentir les deux là, j'en sais rien qui est le plus puissant, j'en sais rien du tout. On va mettre Shanks devant encore où. Next c'est qui? C'est Shiki en parlant du loup, je sais même pas il était dans le classement Shiki. Shiki à son prime gros, il s'est battu contre Roger et Sengoku gros. C'était un gars surpuissant, il était chez les Rocks. On va le mettre devant Sengoku justement parce que gros ils sont prêts à deux pour le vaincre hein. Pas de. Ouais on va le mettre derrière Rayleigh hein. Allez next c'est qui? Ouh Shiryu, Ameno Shiryu de la pluie. Bras droit de Barbe Noire. Futur adversaire de Zoro, ça s'est cramé à 100%.
C'est le futur adversaire de Zoro, je vous le dis. Il a eu en plus le fruit de l'invisibilité, c'est un bête d'épéiste. Et il a le niveau d'un amiro pour moi en tout cas. On va le mettre devant Gaban, pas devant Akainu. Hein, pas exagérer. Next, oh Smoker, ah, Smoker à moi. Smoker, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, Smoker, wesh, même Kyoshiro, je sens qu'il peut te le prendre, Smoker. Smoker, je le mets derrière Kyoshiro, Kyoshiro. Devant X-Drake aussi, faut pas exagérer. C'est qui, c'est Smoothie ça? Smoothie, ok, ok, Smoothie, Smoothie, on va le mettre derrière Kyoshiro. Je pense que c'est bien placé. Il a vaincu quand même un général sucré de Big Mom. Hein. On va le mettre devant Moria. Un supernova derrière Moria, j'abuse. Derrière Hawkins. Ah, c'est bon. Vergo, Vergo, Vergo. Vergo, il était pas mal, je te mens pas. Il était pas mal, mais. Le bras droit de Doflamingo. On va mettre derrière Smoothie. Bien sûr, il a vaincu Smoker en 1-1. Devant lui, bien sûr, Vista. Vista. Kakeno Vista, un très bon épéiste. On a vu se battre à Marineford contre Mihawkro, même si c'était pendant un moment. Donc je te mens pas, Vista, gros. C'est le plus puissant épéiste de l'équipage de Barbe Blanche à cette époque. Il a le haki, donc hein, il peut très très vite blesser Enir. On va mettre derrière Joseph. Je pense que c'est très très bien placé celui-là. Next est. Ouh, Edward Viville. L'autoproclamé fils de Barbe Blanche. Donc, on sait même pas encore dans l'anime si c'est vrai ou non. À ce qui paraît, hein, d'après Akainu, il est aussi puissant que Barbe Blanche dans son prime. Je sais pas s'il exagère ou non. Ça, c'est un des deux, je pense, avec Mihawk. Un des deux qui ont la puissance d'un empereur. Un des deux, cette grande grosseur qui a la puissance d'un numéro pour moi. En tout cas, de ce que j'ai entendu. Donc. On va le mettre juste derrière. On va le mettre derrière Fujitora devant Marco. De ce que j'ai entendu en tout cas. Ouh, Yasop. Yasop. Le sniper de l'équipage de Shanks. Ça c'est très très dur. Yasop, ça c'est compliqué ça. Yasop gros, je sais pas. Si c'est comme Usopp mais en beaucoup plus précision. Enfin beaucoup plus précis gros. Qu'est-ce qu'il peut faire au combat, je comprends pas. Non, après j'ai de la grosse merde. Je dis de la grosse merde. Je sens qu'il est puissant de ouf avec un haki de l'observation de ouf, avec de l'armement de ouf. Allez, juste pour qu'il a dit là, la marine quand ils ont présenté là, l'équipage de Shanks là. On a dit que c'est l'équipage le plus équilibré. Et chaque personne de l'équipage de Shanks était surpuissant. Donc, on va le mettre premier en excellent. On va respecter l'équipage de Shanks. Et le dernier manga, Zoro. Zoro no Zoro. Zoro devant Marco, oui. Zoro, pour moi, il est la plus d'un ami, comme je dis. Zoro devant Fujitora, oui. Zoro devant Akaizaru, oui. Devant Aokichi. Oui. Gaban, oui. Et comme je vous ai dit, que ça c'est prédestiné à arriver, ça, Shilube Zoro. Mais il va pour Run, bien sûr, avant de l'affronter. On va le mettre juste derrière. On va le mettre juste derrière. Voilà les gens, mon classement de puissance, tier list puissance de One Piece. Anime only, bien sûr, juste pour l'anime. Les mangas, gros, je lis pas. Je peux pas savoir. Mais pour moi, voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, on avance dans l'anime, ça va changer comme Luffy, hein. Il va pouvoir reparler en fin de Wano, donc voilà. Si vous kiffez les tier list, les gens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On va essayer d'en faire
plus, bien sûr, en diversifiant, t'as capté. Je vais en prévoir plus, bien sûr, que ce soit sur plusieurs animés différents et tout ça. Pas que One Piece, parce que j'avoue, j'en ai fait deux déjà de One Piece sur la chaîne. Donc, hein. Et genre, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'oublie pas de liker, commenter, partager. Sur ce, peace!